connaître uniquement pour Allah. Uniquement pour Allah, ben on n'a qu'à se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la hadith, إِنَّكَ لَمْ تَدَعَ شَيْئًا اِتِّقَاءَ اللَّهِ إِلَّا آتَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. Que lorsqu'une personne délaisse quelque chose pour Allah, c'est pas pour les gens, ou c'est pas à cause d'une maladie, c'est pas que je ne mange pas parce que je suis malade ou autre chose. Si une personne délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accordera à cette personne quelque chose de mieux que cela. Rapportez par Imam Ahmed. Alors juste si on analyse les 5 ou 6 points, on se rend compte que sur le plan quantitatif, on a eu quelque chose d'exceptionnel durant ce mois de Ramadan, et on a juste à demander à Allah Ta'ala d'accepter les efforts qu'on a faits. Et maintenant, les récompenses que le jeûneur aura le jour de Qiyamah, personne ne peut déterminer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte ce hadith Qudsi qu'Allah a dit « Wa ana ajzi bihi », Allah Ta'ala parle du jeûne en disant que c'est moi qui en rétribue le jeûneur. Il n'y a pas eu l'action, ni le hajj, ni la salah, ni la zakat, pour laquelle les récompenses ne sont pas déterminées. Et il n'y a pas une action dont les récompenses sont aussi, en guillemets, ambiguës, qu'Allah Ta'ala n'a pas voulu annoncer clairement. Allah Ta'ala laisse entendre que pour le jeûne, c'est moi qui en rétribue personnellement. C'est comme si Allah il dit que j'en fais mon affaire personnelle. La récompense du jeûneur, Allah seul le sait. Et nous savons que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens qui ont fait le sang, le jour de Qiyama, seront ressuscités. يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم أفواههم أطيب من ريح المسك. Il y aura une odeur plus agréable qui sera dégagée de leur bouche, une odeur plus appréciable que le musc. On sait également que les jeûneurs auront des mets, des repas spéciaux préparés par Allah pour les jeûneurs, réservés pour le jeûneur. Anas radiallahu anhu rapporte que إن لله مائدة لم ترى مثلها عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها الا الصائمون. Qu'Allah Ta'ala a réservé des repas spéciaux pour le jeûneur qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille n'a jamais entendu et aucun cœur n'a jamais imaginé. Et ces repas seront réservés uniquement pour les personnes qui ont fait le saum. On sait également que le jeûne, le rosa, ainsi que notre tilawat al-Qur'an durant tout ce mois de Ramadan sera en notre avantage le jour de Qiyamah. De ce hadith rapporté par Imam Ahmad bin Hanbal, الصوم والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا رب منعته الطعام في الشهوات بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. Le rosa, le jeûne et le Coran intercéderont pour la personne le jour de Qiyamah. Et le jeûne dira, oh Allah, à cause de moi, cette personne n'a pas mangé toute la journée. Oh Allah, à cause de moi, cette personne s'est privée de ses passions, de ses envies durant la journée. Et le Coran dira, oh Allah, à cause de moi, cette personne n'a pas dormi. Elle a passé l'essentiel de sa nuit à faire ma tilawa, ma lecture. Ils demanderont à Allah, oh Allah, donnez-nous la possibilité d'intercéder pour cette personne en ce jour, et leur intercession sera acceptée par Allah. Ils demanderont, فَشَفِّعْنِي فِيهِ. Et Allah Ta'ala acceptera, فَيُشَفَّعَانَ رَوَاهُ Ahmed. Donc ces ibadats qu'on est en train de faire, ces ibadats qui nous semblent parfois difficiles, harassantes avec notre travail, avec notre condition, sachez mes chers frères et mes chères sœurs également, que ces récompenses, nous n'en avons même pas une idée dans ce dunya, et nous ne pouvons même pas les imaginer de l'akhirah. Seul Allah sait qu'est-ce que nous aurons comme thawab le jour de Qiyamah. On a juste à demander à Allah d'accepter les efforts qu'on a faits. Maintenant, après 27 jours de jeûne, il est encore trop tôt de faire un bilan. Il est encore trop tôt de regarder le Ramadan derrière nous, comme si que le Ramadan est passé. Qu'est-ce que j'ai obtenu de ce mois? Non, il est encore trop tôt. Car il reste encore au moins 3 jours pour jeûner, et au moins 2 ou 3 nuits de Ramadan à passer. Et il faut être conscient que ces 10 derniers jours de Ramadan, même s'il reste 24 heures du mois de Ramadan, c'est réellement les jours les plus importants de ce mois. Les 10 derniers jours de Ramadan ont une valeur spécifique et nettement supérieure aux 20 premiers jours. Donc en aucun cas, un musulman ne peut imaginer, ne peut se dire que j'ai fait assez d'efforts durant 20 jours. Maintenant il reste 3 jours, je peux lever le pied, ça va aller, j'ai rempli ma mission auprès d'Allah. Là, Allah. On connaît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Il faisait plus de mujahada dans ce mois, dans ces 10 derniers jours, que durant les 20 premiers jours de Ramadan. On ne parle même plus de comparaison entre les 10 derniers jours et les
11 mois de l'année, on parle entre les 10 derniers jours de Ramadan et les 20 premiers jours. Hadith de Aisha de Marhadi qui a dit que l'on a dit que que lorsqu'on entrait dans les 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit entière de l'ibadah. Chose qu'il ne faisait jamais durant les autres mois de l'année. Prenez cette histoire. Il y avait trois sahaba qui voulaient faire beaucoup de bonnes actions. Il y en a un qui a dit je ne me marierai jamais pour faire l'ibadah d'Allah tout le temps. L'autre qui a dit je ne dormirai jamais. Pour moi toute la nuit je fais le hajj. L'autre a dit je ne ferai jamais, je ferai toute l'année rosa pour faire l'ibadah d'Allah comme il le faut. Et la personne était en colère. Elle a dit que moi je suis le plus pieux parmi vous. Et ça c'est que le prophète qui a le droit de le dire. Je suis le plus pieux parmi vous. Mais il y a des jours où je jeûne. Il y a des jours où je mange. Le soir, je dors, mais je fais la salade aussi. Et je me marie aussi. Mais durant le mois, les 10 derniers jours de Ramadan, la dernière des 4, c'est vraiment le moment spécifique de l'année où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas. Le hadith dit bien, il passait la nuit dans l'ibad. Et pour comprendre bien la différence entre les 20 premiers jours et les 10 derniers jours de notre hadith rapporté par Imam Ahmed, كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلص العشرين بالصلاة والنوم. Durant les 20 premiers jours, le prophète صلى الله عليه وسلم passait la nuit. Il dormait un peu, mais il faisait la صلاة. فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. Et Anas dit وطور فراشة. Mais lorsqu'on entrait dans les 10 derniers jours, là c'était différent. Notre prophète pliait son bistara, si on pouvait dire ainsi, son lit, et il ne s'approchait pas de ses femmes. Et il passait la nuit entière dans l'ibad. Et on irait même plus loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ces 10 derniers jours, réveillait femmes et enfants pour faire le tahajjud. Hadith de Ali radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réveillait sa famille, fait le hachil awakhir min Ramadan, durant les 10 derniers nuits de Ramadan, wa kullu sadirin wa kabirin yutiq as-salah. Même les petits, même les enfants, qui peuvent faire la salat, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam les réveillait pour faire la salat, afin que ses enfants prennent l'importance du ramadan et l'importance du 10 derniers jours. Ce hadith rapporté par Tabarani, il y a un shahid dans Sunan Tirmidhi, disait que la kana la yada'u ahadan min ahlihi yutiqu al-qiyama illa aqama. Il réveillait toutes les personnes de sa famille. Si quelqu'un pouvait se tenir debout pour faire la salat, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait cette personne. Également, comme on l'a dit tout à l'heure, pour montrer l'importance, alors que le prophète a insisté sur le droit des femmes. Et là, durant ces 10 derniers jours, notre prophète s'isolait totalement de ses épouses pour passer l'essentiel de la nuit de l'ibad. Alors l'erreur, ce serait quoi? Ce serait de se dire que hier soir, c'était grande nuit. Fabulation, ça, de croire que le 27e, c'était le Laylatul Qadr, alors que le Laylatul Qadr aurait bien pu être 21. Je connais des gens, alhamdoulilah, qui ont Allah seul le sait, mais un degré de ibadat et d'abstinence des péchés, ils m'ont dit que, ben voilà, je suis sûr, ou presque sûr, que le Laylatul Qadr c'était telle nuit. On va pas dire c'est quelle nuit, mais c'était son impression. Il a dit que j'ai vu tel signe, et c'est des gens qui, bon, alhamdulillah, il y a certains signes, c'est un signe en eux. Allahu a'lam, ça aurait pu être le 21, le 23, le 25, le 27, et l'erreur serait de se focaliser sur ce 27, et maintenant, c'est quoi? C'est d'abandonner les jours qui restent. Alors qu'on ne sait pas, c'est peut-être le 29 le Laylatul Qadr. Si hier soir on a passé la nuit de l'ibadah, alhamdulillah, mais si c'est pour être délai, c'est le 29e, ben, on n'atteint pas l'objectif des 10 dernières nuits, c'est de passer l'essentiel des nuits dans l'ibadah. Également, une habitude du Prophète sallam rapportée par Aisha radhiyallahu anha, elle dit que, waqtasala bayna al-adhanayn, que durant les 10 dernières nuits, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prendre un bain entre le maghrib et l'isha. Et le fait de prendre un bain, ça vous donne du tonus, ça vous donne plus de fraîcheur pour passer la nuit dans l'ibadat. Il y avait une habitude de Anas ibn Malik, également de Tamim ad-Dari, radiallahu anhuma, que lors de la nuit du destin, c'est-à-dire les nuits qui pouvaient être la nuit de Laylatul Qadr, hein, il se parait, irtasala, wa tatayyaba, wa labisa hullatun, wa izarun, etc. C'est-à-dire il mettait de beaux vêtements, il se parfumait, pour se présenter de la meilleure des façons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette action a été rapportée par Imam Nafari, Imam At-Tabari rahimahumullah également, qui avait l'habitude de mettre le plus beau habit dans les nuits impaires lorsqu'il passait la nuit dans le ibad. Donc ça c'était l'importance à donner pour les trois jours qui restent durant ce mois Mubarak du Ramadan. Maintenant,
après ce mois de Ramadan, parce que là il faut aborder l'après Ramadan, nous devons ressortir de ce mois de Ramadan avec des acquis, et ça c'est important. Parce que le musulman intelligent, c'est celui qui, lorsqu'il passe par des étapes de sa vie, tant dans les difficultés, dans les masa'ib, ou alors dans les moments intenses de ibadat, ce musulman doit ressortir grandi, doit ressortir avec des acquis. Alors dans ce mois de Ramadan, on a appris au moins 6 choses. Il y a au moins 6 choses qui doivent être ancrées dans notre vie de musulman, et ces 6 fawa'id, ces 6 points, nous devons les garder durant toute l'année. Ce sont des valeurs sûres, des adas, des habitudes qui doivent rester en nous. La première chose, durant ce mois, on a appris à faire notre tazkiya, notre propre correction, notre self-control. On a appris à contrôler notre nafs. On a appris c'est quoi ? Faire passer le droit d'Allah sur le désir, sur le shahwat. Lorsque j'ai envie de manger, lorsque j'ai envie de boire quelque chose, je sais que rien ne m'empêche de le faire. Si ce n'est le respect des ordres d'Allah, honnêtement. Si j'ai envie de m'acheter un sandwich bouchon à midi et demi, qui m'en empêche? Si j'ai envie de manger un repas, j'ai envie de prendre une glace ou boire un milkshake, il n'y a pas un policier, il n'y a pas quelqu'un qui va m'en empêcher. La seule chose qui m'empêche de le faire, c'est le respect des recommandations d'Allah et la haya d'Allah, la honte de désobéir à Allah. Et de cette manière, on a habitué notre nafs. On a fait comprendre à notre nafs que ben, c'est pas toi qui décides. Que lorsque tu as envie de quelque chose, je suis à ton écoute, mais j'analyse ce que tu veux. Si c'est dans le halal, on verra. Si c'est dans le haram, c'est hors de question que je t'obéisse. Et cette leçon, on doit garder. C'est un acquis qui doit rester avec nous toute l'année. Si j'ai pu m'abstenir de manger, de boire 12 heures dans la journée, alors que le fait de manger et le fait de boire ne sont pas des actes répréhensibles. Ce ne sont pas des actions immorales. Ce sont des interdits mu'aqqat, spécifiques à une partie de la journée. Mais si malgré ça, je puis m'en abstenir, ben, durant toute l'année, je dois être capable, si je suis un musulman intelligent, si je sais faire la relation entre les choses, je dois être capable de m'abstenir de ce qui est haram mutlaqan, de ce qui est interdit toute l'année, et qui en plus d'être interdit par Allah est immoral et répréhensible, ce qui est le cas de tous les péchés. Ça c'est un acquis qui doit rester en nous durant toute l'année, les 11 autres mois de l'année. Et si on demande à un jeûneur, pourquoi, on vient de dire tu ne manges pas durant le mois de Ramadan, c'est, la réponse sera, je respecte l'ordre d'Allah. On doit être conscient que c'est ce même Allah qui nous ordonne certaines choses durant ce mois, et qui nous en interdit d'autres. C'est ce même Allah qui nous ordonne des choses durant toute l'année, toute la vie, et qui décrète haram